Pour ceux qui ne le connaissent pas, Adam22, c'est un big YouTuber, podcasteur sur YouTube. Il a plus de 5 millions d'abonnés. Depuis 7 ans, Adam et sa petite amie tournent du contenu sur OnlyFans, du contenu pour adultes et aussi des interviews. Et le fait qu'il soit devenu big sur YouTube a rendu très populaire sa femme, enfin en tout cas sa petite amie sur OnlyFans. La seule règle, c'est qu'elle ne devait pas avoir de scène avec un autre homme. Adam et sa petite amie se sont mariés il y a peut-être quelques semaines, un truc comme ça, quelques semaines. Et récemment, il y a deux, trois jours, sa petite amie, enfin sa femme aujourd'hui, a posté ça. Guys, guess who I'm shooting with today? It's finally happening. Wow, I did not know you were going to do that. I just want to break it to you guys so that you guys all know what's going on. After 7 years together, we've been doing porn pretty much the whole time, but we've gotten more and more deeper into the conversation, or into the porn stuff, and after, you know, many hundreds and hundreds of threesomes and stuff, yeah. I decided, well, we decided, we've been having this conversation for like damn near a year. Okay. She shot her first ever scene with another man. Oh, over the weekend. That shows growth. Non, mais c'est quoi ce genre de gars? C'est quoi ce genre d'ami? Ah, ça montre la maturité. Et tu vas comprendre à la fin de la vidéo pourquoi je parle de ce sujet. Parce que ça concerne tout le monde. Donc là, le gars, il lui dit, c'est son pote, hein, il lui dit, ça montre que t'es mature. C'est le progrès, ça. On devrait tous tendre et aller vers là. Bro, but they get on your ass saying that you don't have it in you to disagree with me. So I'm going to use this as an example. Tell me how you really feel. What? About her? Listen, for the money... You don't want to hear what I'm talking about for the money, young. I'm going to tell him for the money, young. Yeah. I disagree. I could disagree with Adam if he told a lie. Like, you try to stay away from bullshit on the podcast. Mm. It's like, all right, how I really feel is that I need my girl to go out and shoot a motherfucking porno solo scene so she can bring that bag back home. This is a business, nigga. Mm-hmm. This is business. To me, it was kind of... Non, mais... Alors, il y a un truc que j'ai oublié de te dire. Adam, il est multimillionnaire. Ok, donc même si je suis d'accord sur on fait toujours rentrer de l'argent, on s'arrête pas, il n'y a pas de problème pour ça. Mais concrètement, là, son pote, là, il essaie juste de lui faire avaler la pilule. Juste genre, non, mais t'inquiète, c'est sur la business perspective, t'es super mature. Et, non, la vérité, non. Déjà, s'il en parle, c'est que non. The reality is that her career has been, you know, helped by me for sure, but also held back by me to a certain extent because of the fact that we would only shoot together. And it's like a man to realize that shit. The number one thing that she gets asked, that she gets requested, whatever, is they want to see her shoot with another guy. And, you know, we've kind of had the conversation over the years, and I started to come to this realization that the reason why I didn't want her to do it was not because... of my own personal jealousy or anything like that. It was really just the fact that I didn't want to be the guy who got roasted on the internet that week. You know, I didn't want to be the one that everybody was making videos about, whatever. And I slowly started to feel like that's kind of a stupid reason for me to hold her back from doing something that would realistically be very, very good for her career, you know? Well, congratulations, you played yourself. But, but voilà. Exactement comme il a dit DJ Khaled. Tu t'es retourné le cerveau tout seul. Parce que t'as peur que les gens fassent des vidéos sur toi en disant « Ouais, t'es insécure, t'es jaloux parce que tu laisses pas ta meuf coucher avec un autre gars. » T'as essayé de rationaliser le truc en te disant « Ben non, en fait, c'est OK, il n'y a pas de problème. » Et maintenant, tu le vois sur son visage, il n'est pas bien. D'ailleurs, de toute façon, il va en parler là, sur la prochaine vidéo. Là, tu vas voir. Et bien sûr qu'il n'est pas bien. Tu t'es laissé manipuler, influencer, pas manipuler on va dire. Mais tu t'es laissé influencer parce que les gens vont dire. Et en plus le truc, oui je suis pas jaloux. Gars, il n'y a pas de problème, il faut dire les termes. Même aussi tu ne veux pas dire jaloux, tu dis t'es territorial. Tu n'aimes pas de ce qui t'appartient. Eh, je ne suis pas un objet. Oh, ça va, Géraldine, calme-toi. Et si c'est ta femme, c'est à toi gars. En plus, elle est déjà mariée. Et parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Parce que tu veux pas qu'on dise que t'es insécure, je sais pas quoi. Regarde jusqu'où ça va aller. Tu vas comprendre à la fin de la vidéo où je vais en venir. So I've been with my girl for 7 years. We just got married. We're not in an open relationship, but from a porn perspective, we shoot with other girls, stuff like that, right? Mm-hmm. Yeah. But no other guys. Well, you guessed it.
over the weekend. Oh no. Something like that happened. She filmed her first ever scene with another man. I know you was mad. Shit. You was angry. I agreed to it, so I wasn't. But, angry might not be the word. But you was kind of like disappointed a little bit. Like, five, like, cut, that's your sick. You know, I agreed to it. She gave me a lot of outs on the way in. Like, yeah. She kind of kept telling me, like, if you don't want me to, I won't do it. You should have said no. I said that I wanted her to do it. I'm like, on top of millions of dollars, Adam, you didn't do that shit. Fair enough. But ça, c'est un vrai pote, ça. T'as dit de quoi tu parles? T'as des millions de... C'est... T'as pas besoin de faire ça, en fait. Pourquoi tu fais ça? En plus, bien sûr, la meuf t'a dit, ouais, ça, c'est les meufs qui veulent le faire. Ça. Et de toute façon, t'as vu la vidéo, elle a pas l'air de vouloir faire les choses pour l'argent. Hein. Elle avait l'air d'être super contente. Le non-verbal, il ment pas. Elle se pince les lèvres. Elle est contente. Dans tout son enthousiasme, elle a même pas calculé qu'en faisant cette petite vidéo de 17 secondes, nous, entre hommes, on se connaît. T'as vu le gars, là, le Renoir, là? C'est un acteur porno qui est connu. Mais gars, entre Renoir, on se connaît. Gars, tu laisses ta meuf aller avec ce gars-là? Mais gars, mais t'es sérieux, gars? Quand il aura fini, il va dire, tiens, j'ai fini. Non, gars. Oh là 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 là. Quand elle va revenir à la maison, mais même elle, parce que du coup, elle a couché avec aucun autre gars. Même elle, normalement, devrait se sentir un peu bizarre, normalement. Mais toi, gars, t'es sérieux, gars? Mais ça va changer. Oui, elle a détruit son mariage. Elle a détruit son mariage et lui aussi, il n'a pas été capable de lui dire, bah non, en fait. Mais quand elle dit, ouais, non, mais vas-y, tu peux me dire non, si tu veux pas, je le fais pas, etc. En plus, tout se passait bien parce que j'avais vu des vidéos où il parlait d'elle. Parce que moi, je savais même pas qu'il faisait du porno sur OnlyFans. Pour te dire, je le connaissais seulement par rapport à No Jumper, son podcast, parce qu'il interviewe des fois des rappeurs, des gens un peu connus, et on peut dire qu'il fait partie de la culture, tu vois. Et je regardais des vidéos, je savais même pas qu'il faisait du porno, tu vois. Et des fois, il parlait de sa femme, et il disait, ouais, ma femme est super féminine, elle prend trop bien soin de moi, c'est un truc de malade, etc. Mais là, après, là, tout est perdu, là, quoi. Attends, là, tu l'envoies comme ça, avec un... On se sait, gars, le gars, là, le Renoir, là. Oh là là, en plus il est chargé comme never. Non. Et lui, il agit comme il faut agir. Il a dit, mais gars, t'as pas besoin de ça. Lui-même, ça c'est un vrai pote. Il te fait reprendre conscience de, hé, mais gars, t'es sérieux, t'as pas besoin de ça, gars, t'es millionnaire. Quel est l'objectif? Quel est le projet? Pourquoi tu fais ça? Si tu veux faire des millions, vous pouvez faire d'autres choses ensemble, vous pouvez faire, emmène-le sur ton podcast, j'en sais rien, mais il y a d'autres façons de faire de l'argent, là, au niveau où tu es. I told her, I'm like, I think you should do it. Let's get it out of the way. So how do you five about it now? She's 32. Do I need to get you an old English? No. I don't need to drown the pain in the old English. But I was kind of surprised because I feel like I can, like, intellectualize it. And from my perspective, I don't think it should be a big deal. Mais, non, mais ça c'est les disquettes du progressiste. Mais bien sûr que tout. Tu peux tout rationaliser. Hein. Tu peux tout intellectualiser. Tu peux prendre du recul sur toi. J'ai perdu un bras. Tu peux rationaliser sur tout et voir que. En fait, non. Elle peut coucher avec plein de gars. Elle peut coucher avec un autre gars. Ça ne me fera rien. Mais attends. Bien sûr que tu peux prendre du recul sur tout, en fait. Bien sûr, tu peux donner une logique sur tout. Then after she actually did it, I'm not gonna lie, I did feel kind of odd. Bah oui, tu t'es senti chelou. Voilà, pour bien traduire, bien sûr que tu t'es senti bizarre. Attends, gars, t'as pas besoin de le rationaliser ou d'essayer de le trouver. En fait, les gars, comme ils arrivent pas à trouver la logique, etc., ils disent, ouais, mais logiquement, je vois pas pourquoi, c'est juste une relation, de toute façon, c'est moi qu'elle aime, ça pose pas de problème. Là, en fait, ça sert à rien d'essayer de trouver des logiques. Tu sais à l'intérieur de toi que ça va pas le faire. Et là, en plus, dans ton malheur, tu pourras rien lui reprocher puisque tu lui as donné l'autorisation. Parce qu'elle te dira, bah, c'est toi qui m'as dit, tu m'as dit que je pouvais le faire. Je t'ai demandé plusieurs fois, est-ce que je pouvais pas le faire? Tu m'as dit, vas-y, fais-le. T'as vu la vidéo qu'elle a faite? T'as vu comment elle était heureuse de faire une scène avec ce gars-là? Ils ont tué leur mariage. Et donc voici pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet. Aujourd'hui, on est tous concernés par ça. Si jamais tu mets des limites, tu es vu comme un gars arriéré,
un gars qui n'est pas dans le futur, qui n'est pas dans le progrès, et on va te traiter de gars insécure, de gars genre c'est plus, hey, on est en 2023, tous les cheveux bleus ils vont t'insulter, tout ça parce que tu as des principes et parce que tu as une morale. Donc on va te dire ouais t'es pas assez ouvert d'esprit, etc., etc. Ça c'est une grosse douille. Ils veulent aller vraiment à l'opposé de tout ce qui est religieux. Ils veulent aller à l'opposé de l'extrême où on en arrive où aujourd'hui des trans vont dans nos écoles pour enseigner la sexualité à nos enfants. Donc à force de vouloir être ouvert à tout et d'être dans la tolérance, à un moment donné tu peux pas être tolérant dans tout si tu as des principes et une morale. Ok, chacun fait ce qu'il veut, mais tu peux pas imposer ton ouverture d'esprit aux gens qui ont une moralité et qui ont des principes. Et les pointer du doigt en disant « Ouais, vous êtes bizarre, vous êtes arriéré, vous n'êtes pas dans le progrès, ça y est, c'est fini maintenant, vous devez être tolérant, etc. etc. » Non, chacun a ses principes. Et là, lui, il s'est fait manipuler. Il voulait tellement pas que les gens disent qu'il est insécure, qu'il est jaloux, etc. qu'il a commencé à réfléchir « Bon, ok, vas-y, shoot pour une scène. » Elle, dans son fantasme, s'est dit « Ah, le Renoir, là, s'il y a moyen, pourquoi pas ?» En plus, mon mari m'a dit que je pouvais y aller. Si Adam avait mis des limites, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là, elle est partie avec le Renoir. Là. Ben, on se sait. Tu sais, toi-même, tu sais. Tout le monde sait. Elle est partie là-bas, mais sa vie ne sera plus pareille. on se sait. La vie n'est plus pareille. Ça fait 7 ans qu'elle était toujours avec son gars. Tout se passait bien. Elle est partie faire un coup. Non, mais non, les gars. Leur mariage, il est dead. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Ok, avant de créer un acrogate quand même. Et deuxième chose, c'est mon groupe privé des 10% qui s'appelle Zion où je te montre comment créer ton business en ligne, être indépendant financièrement, investir dans les cryptos. Enfin, tu as tout ce qu'il faut, toutes les techniques modernes pour pouvoir faire de l'argent de nos jours. Ok, donc check ça en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis avec ton camp. Thank you.